le robot de Tim et Arnaud se déplace anonymiquement, donc c'est-à-dire qu'il peut faire tous les déplacements qu'il veut grâce à ses trois roues. Alors, on a déjà toutes les balles qui ont été tirées, mais malheureusement aucune n'a atteint le mammouth. Ensuite, on a des petits raptors, voilà, qui viennent malheureusement de rattraper qu'un seul mammouth, mais comme c'est assez rare de celui qui est plus on espère qu'il pourra au moins marquer ce point. Du côté du Team RD, beaucoup de feu. Alors attention, Intech est parti très très vite. Donc, c'est un petit peu cogné contre la zone de dépose. Et il s'est apparemment décalé. Alors, du côté du Team RD, est-ce qu'on s'attaque au feu? Non, on s'attaque au feu. D'accord, on essaye d'attaquer les feux là-bas. Voilà. Du côté de l'Intech, voilà, un petit peu perdu, mais il vient de tirer encore, voilà, en fait il vient de tirer que 3 balles pour tenter les points de collaboration et d'en mettre 3 sur chaque mammouth. Malheureusement, ça n'a marché sur aucun des mammouths. Alors, le fruit de mammouth a été libéré, mais en dehors de la zone, donc ce point ne sera pas validé. Alors je pense que ça va se jouer surtout sur le nombre de feux pour ce match en tableau numéro 3. Alors, je suis sur la table juste à gauche, nous avons les sous-suicidaires.